Ouvrir une voie dans une grande paroi est toujours un projet ambitieux. D'autant plus quand on a décidé d'y laisser une trace de caractère. Arnaud ouvre des voies depuis qu'il a 13 ans. Comme tous les grimpeurs, il aime aller chercher ses limites en montagne. Quelles que soient les évolutions matérielles et quels que soient les progrès techniques, il est de ces passionnés capables de trouver sans mal le challenge qui lui permettra de se surpasser. Ah, c'est la deuxième plus grande paroi d'Afrique. C'est une muraille de 2 km de large sur 800 mètres de haut et elle part tout au fond d'un canyon impressionnant. C'est quelque chose que j'avais jamais vu avant. Steph, tu peux venir, je crois que j'ai trouvé un coin où on va pouvoir bivouaquer. Aujourd'hui, Arnaud partage sa passion avec Stéphanie. Ils se sont rencontrés lors de compétitions d'escalade, une activité qu'ils ont pratiquée intensément et avec talent pendant plusieurs années. Plusieurs titres mondiaux en poche, ils décident en 2001 de tourner la page et se consacrer au voyage. Partir découvrir le monde et ses plus beaux rochers devient leur priorité. Les voyages s'enchaînent et les coups de cœur se multiplient. Patagonie, Yosemite, Mexique, Jordanie. Mais il existe un endroit quelque part dans le Haut Atlas marocain auquel Arnaud et Stéphanie sont plus particulièrement attachés. À 1900 mètres d'altitude, au cœur d'un écrin sauvage, Taria est le petit village montagnard dont ils sont tombés amoureux. C'est là-bas qu'Arnaud a repéré cette face imposante sur laquelle il imagine une ligne qui pourrait bien être à la hauteur de ses ambitions. Avec Stéphanie, ils proposent à leurs amis Nicolas Calis et Titi Janté de se joindre à eux pour cette aventure. Alors en fait, la première fois qu'on est venu à Taria, il y a des tas de choses qui nous ont marquées. D'abord le village, bon, la pauvreté, c'est sûr que ça, c'est assez impressionnant quand même parce que les gens n'ont pas grand-chose. C'est des vrais montagnards, ils vivent avec le strict minimum. Et donc ça, c'était vraiment déjà dépaysant pour nous en arrivant de sites très touristiques comme le Todra ou Marrakech ou des coins comme ça. Et puis pour moi, ça a été aussi la découverte, je crois, d'une autre langue, le berbère, qui est vraiment très très différente. Enfin, c'est pas la langue arabe qui est parlée ailleurs au Maroc. Et c'est vrai que ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a intéressée de manière intuitive. Je pourrais pas expliquer pourquoi. C'était aller avec le reste, le coup de foudre, et j'avais envie d'arriver à communiquer avec les gens. Une fois posé au gîte de Saïd, Arnaud tient à une vérification importante. Est-ce que son projet n'a pas été celui d'un autre ? La voie qu'il a imaginée a-t-elle déjà été ouverte ? Même si les infos circulent assez vite sur Internet, rien n'est plus à jour que le livre d'or du gîte. Ce recueil reçoit les premières traces écrites des ouvreurs. On y trouve donc, chronologiquement, tous les renseignements sur toutes les voies ouvertes à Taria. Soulagement, l'espace reste apparemment vierge, et l'équipe profite de cette fin d'après-midi pour s'approcher de la face. Tu veux passer un peu dans les dalles. Le dévers qui n'est pas mouillé, puis après, au-dessus dans la dalle, il y a quand même des... Cette première approche, sous ces airs de petite balade, revêt une importance toute particulière. En effet, après des semaines de cogitation, des heures passées à examiner les photos, c'est la première confrontation avec la taille réelle de la paroi. Même s'ils ont tous l'habitude de ce genre de dimension verticale, venir au pied de la face a quelque chose du rituel, ou en tout cas comme une première phase d'adaptation. Ouais.
C'est aussi la dernière étape avant de toucher le rocher. Dernier instant de recul où tout n'est encore qu'hypothèse, avant de se plonger dans la réalité de l'ascension. Grimper en libre, c'est gravir une longueur ou toute la paroi, simplement avec ce que le rocher nous offre pour nos mains et nos pieds. Voilà. Et les points d'assurage servent qu'à la sécurité. En cas de chute, on est retenu par la corde, par le compagnon de cordée, grâce à ce point d'assurage. Steph, prends-moi. C'était tout cracra. C'est tout piqué, enfin, ça craquait tout sous les doigts. Lors de l'ouverture, on ne va pas grimper tout le temps en libre. Parce que justement, pour pouvoir poser un point d'assurage, on va, grâce à un piton, un coinceur ou un crochet, s'arrêter dessus, se tenir grâce à ces petites pièces de métal. Et là, on tire la perceuse et on met un point solide. Mais pour en placer un, il faut percer pendant une quinzaine de secondes. Là, et après, il faut rentrer cette pièce métallique. Et c'est impossible de tenir sur une réglette ou un bidois avec des pieds qui ne sont pas très bons dans du 7 et puis percer avec la perceuse d'une main, quoi. Mais on se donne une règle du jeu assez simple et honnête par rapport à ceux qui vont répéter la voie plus tard. C'est lorsqu'on a mis un point d'assurage et qu'on repart, on part en escalade libre sans utiliser des artifices. Et jusqu'au prochain endroit où on va s'arrêter, se poser sur ces artifices, le piton, le coinceur, le crochet, pour placer un nouveau point. Mais à chaque fois qu'on grimpe, on avance dans la voie, c'est en escalade libre. Pour des raisons de poids de corde et de matériel, le premier des cordées doit s'arrêter tous les 50 mètres environ. Parti ! Il fixe un relais et fait monter son partenaire qui récupère une partie du matériel et le rejoint pour l'assurer à nouveau, ou repartir en tête. La voie se divise ainsi en longueurs. Chaque longueur est évaluée en difficulté par une cotation sur une échelle allant de 1 à 9. Suivant la difficulté, et compte tenu des règles du jeu adoptées par l'équipe, le parcours d'une longueur à l'ouverture peut demander aux ouvreurs jusqu'à une demi-journée de travail. À ce rythme, et vu la proximité du village, la tactique adoptée est basée sur des allers-retours quotidiens entre le gîte et la face. Les grimpeurs se relaieront et ils équiperont la ligne de corde fixe au fur et à mesure de leur ascension. Ce système permet aux reliants de remonter plus facilement jusqu'au dernier point atteint. Pour moi, c'était la première expérience d'ouverture. J'étais quand même assez stressée au départ, parce que j'avais peur de ne pas faire du joli boulot, quoi. J'avais peur de gâcher un petit peu la chose. Tu as des gaines avec le speed, ouais. Tu mets dedans, une fois que tu as un peu tapé dessus, tu prends la corde, tu la clips dedans. D'accord, bah quand tu tapes dedans, il y a des gaines. Ouais. C'est vrai que grimper, pour moi, c'est pas un problème parce que c'est ce que je fais tous les jours. Mais par contre, m'arrêter comme ça sur des crochets, avoir confiance, me caler précautionneusement pour pouvoir tirer ma perceuse à deux mains, ça, c'était pas inné, quoi.
ce projet, on s'était donné un mot d'ordre d'essayer de mettre le moins possible de points d'assurage. On est sur une grande paroi, on équipe en partant du bas, c'est une tradition d'alpinisme. Et là, on essaye d'avoir l'audace qu'ont eu les premiers alpinistes et que maintenant, on n'est pas obligé d'avoir parce qu'avec notre perceuse, on peut très bien décider de mettre un point tous les 2 mètres. Alors, ça peut être gymniquement très intéressant, mais c'est pour nous, ce n'est pas assez complet pour prendre plaisir, enfin un plaisir qui est lié à un frisson aussi. On peut tout faire avec une perceuse, mais on peut aussi faire un truc qui n'est pas du tout excitant et avec cette appréhension avant de partir qu'on aura quand on va essayer en libre et qu'auront tous les répétiteurs aussi parce qu'ils se demandent s'ils sont au niveau, s'ils sont assez bien dans leur tête, si c'est un jour avec, un jour sans. Et quand les points sont loin, ce n'est pas le même sport. D'engager. Le plaisir, il est de ressentir une concentration maximale dans ce que tu fais. L'engagement, il n'est pas pour dire je suis fort, j'engage, je mets de l'espace entre les poings. Il n'est pas là, le plaisir. Le plaisir, il est d'essayer d'être le plus possible en éveil par rapport à tout ce qu'il y a autour. Pour essayer de coller le plus parfaitement à ce que te livre le rocher. Donc pour ça, ça nécessite une concentration, une recherche d'informations et une analyse qui est poussée au maximum. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est ça qui me motive en escalade, c'est de rechercher des états de concentration maximales. Je crois que mon plaisir, il est vraiment là-dedans. Chaque jour, l'équipe s'élève un peu plus sur la paroi. À raison d'une à deux longueurs par jour, la progression reste lente et usante. Mais le point le plus haut atteint est régulièrement repoussé, et c'est cela le plus important. Grignoter l'espace qui sépare du sommet est très motivant. Dans les derniers jours d'ouverture, il y a eu un moment clé où on a bivouaqué avec Stéphanie. On a réussi à avancer d'une demi-longueur au-dessus du bivouac, mais c'était déjà difficile. Ce qui a fait que quand sont arrivés l'après-midi, Nico et Titi ont pu finir cette longueur, faire un nouveau bivouac. Et là, le lendemain, c'était incroyable parce qu'ils ont réussi une longueur dure et 3 longueurs pour arriver au sommet juste avant la nuit. Mais tout le début de la paroi, on a quand même progressé très lentement. Et puis là, pim pam, 2 longueurs en 3 heures, quoi. Ça sentait quand même le bon bout, quoi. Et là, quand on a vu ce qu'il y avait au-dessus, ben voilà, quoi.
On a vu que c'était la dernière longueur qui restait. On imaginait bien que c'était pas très dur, quoi. Là, la longueur qu'il venait de faire, c'est... Je crois c'est bon, il dit 7A, mais avec Titi, il faut se méfier. Je pense que ça sera plutôt 7A+, quoi. Et donc, ce qui restait visuellement de ce que je pouvais voir du bas de cette dernière longueur, il restait des rossauts, vire. Joli, hein, joli à grimper quand même, quoi. Bon, ben, il était quand même, je crois qu'il était 2h30 quand je suis reparti dans la dernière longueur. Donc bon, ben, je savais que 2h30, même en traînant la patte, hein, même en cueillant les pâquerettes, c'était impossible qu'on ne sorte pas dans la journée. Donc voilà, ben, je suis parti dans la longueur. Et la petite surprise pour terminer, j'étais à 20 mètres du sommet. De ce que je devinais être le sommet en tout cas. Nico, vous êtes où là? Parce que on regarde avec les jumelles là et vous n'êtes pas loin du sommet. Vous avez la radio, dis-moi. Ouais, Arnaud, dis-moi. Et il y avait des gens au sommet là, il y avait des gens, c'est des grimpeurs ou c'est quoi? Ouais, écoute, j'ai terminé la longueur, j'ai fait un rassure à Titi, j'ai deux berbères à côté de moi d'une dizaine d'années, là, c'est dément, et on suit dans les 20 derniers mètres là, c'était assez hallucinant quoi. Voilà, on est au sommet et 4h30, donc c'est vraiment plutôt que prévu quoi. Donc c'était vraiment. C'était vraiment assez irréel, quoi, cette ambiance où tu termines tes longueurs, tu grimpes, tu te sens observé par deux bergères. Elles tiennent tout juste si elles ne sont pas là pour t'aider à percer les derniers trous. Quoi. C'est vraiment irréel. Quoi. Donc voilà, après Titi m'a rejoint. Et puis on s'est décordé. Et puis avec nos deux bergères, là, on est monté sur le sommet, sur les terrasses, faire un petit tour d'horizon. Il était 4h30, il était 16h30, je ne pensais vraiment pas sortir à cette heure-là. La lumière était magnifique, une lumière douce, orangée, avec l'ombre du Tagoujim sur Rouge Dad derrière. Là. C'était somptueux, quoi, vraiment. Voilà. Et la journée s'est terminée voilà, en apothéose, super. Quoi. En cette fin d'après-midi, Nico et Titi mettent un terme à 15 jours d'ouverture. 15 jours pendant lesquels chacun aura beaucoup donné. 15 jours pour une ligne de 800 mètres, et surtout 15 jours pour une nouvelle belle voie à Taria. Babel, puisque c'est le nom qu'ils ont décidé de lui donner, va compléter l'épais livre d'or du gîte. Gamin, j'ai toujours rêvé en regardant des photos et surtout des topos où l'itinéraire est défini avec les cotations, avec les petites annotations, attention à la traversée, des choses comme ça, ou fissures glissantes. Enfin, on arrive à s'imaginer grimper en regardant des topos. Alors, les faire, moi, après avoir fini une grande voie de 800 mètres, c'est un moment de pur plaisir. Hein. Nicolas, il se demandait même si je voulais pas ouvrir des voies juste pour faire mes dessins après. Mais ce que j'ai fait à l'origine, c'était que là, simplement, ça marchait pas avec un tirage. Je mettais ça sur une rampe de gouttes d'eau, tac, et puis tu remontais, mais bon, ça faisait 2 ans. Depuis 2 ans, il y a eu des articles, il y a eu un autre livre, et ça amène de plus en plus de gens. Puis je le comprends, parce que le lieu, il est quand même incroyable, et il n'est pas très loin de la France. Hein. Alors, c'est super bien, parce que le village en tire parti. Et puis c'est un petit peu un bouleversement qui est rapide, quoi, forcément. Sur le tourisme à Taria, il y a quand même un aspect que j'aime bien, c'est que c'est pas un tourisme de grosse consommation. Les gens ont le temps, ils y passent plusieurs jours. Alors quand les enfants demandent un stylo, ils vont leur dire ben non, j'en ai pas de stylo. Et puis le lendemain, ils connaissent le prénom du gamin. Et donc il y a une petite discussion. Et puis au bout de quelques jours, les gamins ils demandent plus des stylos ou des bonbons. Et ça, les grimpeurs, c'est quand même un tourisme qui est un poil différent, parce que ces touristes se posent
et vivent un peu la vie du village pendant une dizaine de jours. Et c'est quand même un plus pour ce village, parce qu'il va évoluer plus harmonieusement que des villages de passage où il y a des gros bus de touristes. Bah juste le souci qu'il peut y avoir pendant un petit moment, c'est la différence de culture qui va être de plus en plus nette, parce que des fois les grimpeurs ou les marcheurs arrivent en groupe, et quand tu es en groupe assez important, tu fais peut-être moins attention à l'endroit où tu te rends. Et on est dans un pays musulman, en montagne, les coutumes ne sont pas du tout les mêmes, la condition de la femme n'est pas du tout la même. Et déjà, moi, je pense que quand j'arrive occidentale en pantalon et en t-shirt, et que je vais grimper, je suis une extraterrestre. Je pense que je choque déjà pas mal. Après, c'est vrai que la culpabilité, elle est quand même toujours un peu présente, mais elle s'atténue au fil des années, dans la mesure où je me dis que si je peux faire quelques petites choses, tant mieux. Si je peux discuter avec les gens, peut-être de temps en temps les aider, c'est super. Et en même temps, je suis grimpeuse, j'ai pas vocation humanitaire. Et je pense que c'est le rapport qu'on a avec les gens. Si on les respecte, s'ils nous respectent, c'est déjà pas si mal.